etc. Mais comment nous finissons, nous, au MTM, depuis tout le temps, et c'est vrai, et je peux trouver encore l'état élection venue, guet pas l'élection qui finit passer avant, pas de bon travail, du monde pour apprécier, mais ce n'est pas ça qui fait du monde décider qui gouvernement lui voulait mettre en place pour diriger le pays. En 2014, nous avons déjà gagné une fin d'expérience et nous avons gagné les résultats qu'il a gagné. Combien de vous ne participez croire, qui dans le MMM, qui dans le travail d'ailleurs, qui je peux perdre l'élection de, avec ça l'envergure là. Mais pourtant, il est arrivé. Mais nous sommes pas mal encore dans le passé, vous trouvez. Mais déjà, de nous prendre un exemple, qu'un temps, c'est dans un bel mouvement de masse pour parole, désir de la population, qui fait sentir avant une élection, de une semaine, de mois qui précédait, et qui, ban leaders politiques, semblent, comment dire, pas écouter. Et non, croire qu'ils n'ont, mais. Ce n'est pas une forme d'arrogance, ça. Je pense, et comme ça. Politique, c'est ça, la politique. Je pensais qu'ils n'ont, mais ça. Nous pouvons expliquer, je t'ai un pays, l'étendue à l'avenir, qui a été bon travail, nous ne faisons ça, nous ne faisons ça. Nous pas qu'à perdre. Mais c'est qu'ils ne font ça, nous ne faisons ça là. Pas ça qui, population-là, servit comme un point de repère pour les décider. Qui décision les vise à parce que quand même, avant 2014, il y a une bonne chose qui t'y fait, que la population est capable, comment dire, hit l'eau là, tape faux l'eau là, pour faire la population prendre conscience qu'ils ont fini dans le bon travail. Mais pas ça qui dit guetté. Et il finit par cette décision. Et là, ça m'est arrivé, mon père se dit à chaque conférence de presse, que la population finit par cette décision. Que quand l'élection finit, il n'est pas pour continuer que ça l'équipe qu'il a là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il l'équipe là sait faire? Parce pour quelle raison? La raison principale, c'est que la population fin sentit dupée. Il sentit qu'il fin amené en bateau. Ça m'appelle mener en bateau. Ça veut dire ou fin venir ou fin promettre qu'il get tout ça mal protéger dans là pour mettre l'autre pour nettoyer. Et moi, je ne suis pas pour faire telle ou telle chose, jamais. Mais tu vois, il gagne confiance pendant un petit temps. Mais après qu'il est arrivé, il trouve le voile, il levé. Et il trouve tous les jours scandale après scandale. Mais nous, le but pour faire sa conférence de presse, c'est pas pour une lever un scandale, parce que tellement. Ben, comme un journaliste, même, il levé tous les jours. Et j'ai besoin d'y être franchement. Et dans quelque chose, moi, je me félicite, je t'en, parce que je t'en contre-pouvoir. Et dans ce travail que je fais là, je fais beaucoup de recherches pour que l'enquête, moi, besoin de dire, et il y a quelques temps de là, qu'ils font pas tu vous dis les mêmes affaires, moi, besoin de réaliser qu'il y a une évolution peut faire parmi dans le monde journalistique aussi. Moi, j'espérais, c'est là une forme de formation qui fait en bas qui permet ça. Et moi, je souhaite de continuer dans la bonne direction. Bon, ça veut dire que si nous, nous faisons erreur, pas besoin de dire, besoin de dire n'importe d'où qu'elle vienne, l'erreur. Et je travaille, je peux faire du bien, et je soulève, je tire un élément de recherche qui, moi, je suis pensé pour prendre beaucoup de temps pour l'obtenir, mais je trouve que je finis gagné. Et ceci dit, c'est que, bon, si vous avez un coup, c'est ce qui peut arriver au niveau parlementaire même, le Parlement. Pas seulement la situation même dans le pays qui dit qu'il y a du jamais vu, mais ce qui peut arriver dans le Parlement, c'est bizarre accepter. Qu'il y a une petite chose qui du jamais vu. Madame la speakerine, pas capable de tenir et elle perd du contrôle. Et malgré tout, l'état où il y a depuis langue du peuple, dit vous pensez qu'il y a un manque de fairness dans sa façon de faire. Et c'est dommage. Alors, il y a une bonne camarade qui me dit qu'il ne faudrait pas prendre un bon qui donne parti, une perdue élection, une vine là. C'était son cas. Moi, je ne pas croire, nous croyons qu'il y a un bon, si vous donnez une responsabilité, même si vous donnez un parti politique, il est bien capable, à se faire, à partir de maintenant, qu'il est, pas maintenant, mais depuis qu'il est nommé, 2 ans, il prend la responsabilité, il fait ce travail. Mon bisin attire l'attention de la population. Ben, jeune bisin, à le fouiller, à le guetter.
finalement, un speaker, peut-être un meilleur speaker de l'île Maurice, c'était le Sir Harilal Vagji. Mais il y a des gens qui appartiennent au Parti travailliste, il y a des gens qui appartiennent à la politique active, ils se posent candidat comme élection, ils font gagner, ils font perdre aussi, et ils font speaker un peu dans les mêmes circonstances. Mais tout le monde prend comme un exemple dans le travail de speaker. Donc, ce qui. Pas faire ça. Ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un monde, comment dire, quand il finit déjà dans la politique, il ne peut pas faire travail de speaker. Mais ça dépend de l'oli que sa personnalité. Il ne faut pas lui montrer aucun attachement avec n'importe qui parti politique, et surtout sur un camarade dire. Bon, il est tellement paraît évident que ce qui peut arriver, peut arriver. Donc, pour dire que le Parlement, s'il perd sa valeur, le Parlement mauricien, il n'est pas un Parlement, comment dire, qui donne l'exemple au monde, et surtout à cette partie du monde dans l'océan Indien. Bon, nous, dans ce domaine-là, nous dire. La population, d'après nous, il finit prendre ses décisions qui les poussent sans zé. Mais seulement, la population, il fait un traumatisme en 2014, et ça encore dans ses pensées, ça encore dans son esprit. Et il peine dans l'envie, d'après nous, étant donné, nous avons dit, nous causer, et quand on examine ce qu'il y a dit, il n'y a pas que 10 paroles qui sortent dans la bouche, mais il y a un petit peu sa manière de réagir. Il est un petit peu sur, comment dire, sur jeu de scène quand il fait un point. Et on prend tout ça en considération, nous convaincus que la population n'a pas envie à se dire, révine, comment dire, reprend Mandiboun, qui ne fait, je ne considérer, fin faire du mal dans le passé, pas fin faire du bien, et fin mal agir, et pour reprendre ce métier ici. Mais ceci étant, dans une condition comme ça, la question qui se pose, mais qui c'est là qui poula là pour diriger après? Parce que le gouvernement actuel, pas poula. Et ce qui tira dans le gouvernement avant, je n'ai pas envie. Automatiquement, bizarre un lutte. Et il y a un vide dans la population. Fin déjà, il y a une situation comme ça dans le pays, si nous voulons guetter l'histoire. Mais nous, nous disons depuis maintenant onwards, la population voulait quelque chose d'autre. Je voulais une véritable transformation. Je ne vais pas servir le mot changement. Tellement fin servir ça. Tout le temps qu'on vient dans bien normal et dans changement même. Mais la population voulait une véritable transformation de notre système. Et nous pouvons vivre dans un moment extrêmement complexe, compliqué. L'état de ce qui peut arriver dans le monde. Élection en Amérique, élection en France. Hein? Et bien, élection dans les autres pays encore. Nous trouvons qu'il y a une petite chose qui peut arriver dans le monde qui ne vient pas, comment dire, garder ça à côté, pas penser en ligne de compte. Il est très important, bien considérer tout ce qui peut arriver dans le monde pour nous connaître qui nous peut faire avec nous, l'île Maurice. Maintenant, nous finissons pour le 1er mai, nous nous organisons, nous avons envie de dire, nous faire autrement. Autrement, il m'a pas servi par tellement de monde qui m'a pas envie, moi, sans dire, je ne peux pas venir derrière nous encore, pour dire les mêmes affaires que nous. Nous avons envie faire différemment. D'accord? Nous avons envie faire différemment. Eh bien, nous faire le 1er mai tout le temps différemment. Cette année, nous finissons faire une réunion de nos délégués. Le temps n'est pas très bon, bien besoin de dire, je tout connais. Mais nous faisons une cause avec nos délégués et nous faisons présente certaines propositions qui finit faire d'une façon réfléchie au sein du parti pendant un an et demi. Au niveau bureau politique, au niveau l'exécutif. Et ce qui finalement amène un certain choix qui, selon nous, vient définir la nouvelle politique à venir et le nouveau projet de notre nouvelle société. L'Ipouénan, c'est une base solide. C'est ça, une base-là, bien mettre sur pied. C'est un gouvernement-là, pas beaucoup à faire, parce qu'il a fini de montrer comment il peut agir. C'est un gouvernement qui, qui est corrupt. Tout un fléau social, un fléau politique, tout en tous autres. Je suis empêtré là-dedans. Donc, impossible
pour capable de sortir depuis là-dedans. Même si on a envie de faire des efforts, parce qu'il est tellement. Vous pouvez essayer de tirer la tête par ici, bouge dans une direction, un autre périssou en bas peut mettre tout derrière. Et nous, du monde, hier, tu es ensemble, tu peux faire les mêmes affaires, et puis quand ils sont séparés, ils peuvent amener un éclaircissement. Mais du monde, pas faire confiance, ça. Du monde, faire confiance au passé continuel, depuis longtemps, qui on fait, comment on fait, quand on occupe tel poste, qui on fait, quand on est capable dans le gouvernement, après on vient dans l'opposition, qui on fait, et qui on a une action finité. C'est là que du monde fait confiance. Et malheureusement, il y a beaucoup de monde dans le pays dans lequel la population a fait confiance. Heureusement, ça malheureusement, dans le monde, c'est qui déjà existait, mais heureusement, il y a une bonne quantité de jeunes qui réfléchissent. Et qui porte à cœur, et non exprime zout parfois à travers un article de presse, mais non exprime zout dans une réunion tout court. Et nous peut identifier. Et nous énormément de monde, tôt ou tard, je peux trouver ça de monde qui peut faire une proposition avec ça. Et d'ailleurs, pour nous faire un projet de société, faut définir un monde qui travaille quand même pas nous tous seuls. Hein. Nous évoque certains thèmes et après, du monde prend lit, la balle au bon, comment nous dire, et discuter là, et puis amène un point. D'ailleurs, il y a un des bons points qui n'est pas encore finalisé. Mais pour vous dire ça un peu rapidement, parce que si, ce que je voulais dire, si la population n'a pas envie de sa gouvernement en place, là, envie de s'y aller, s'il n'a pas envie de remettre sa bande du monde qui finit, disons, galfaté en 2014 et qu'il gagne un bon coup de balai, une sortie, il n'a pas les ça. Mais quoi alors? D'accord? Mais ça, ben, des gens qui propose un avenir plus sûr aux Mauriciens. Et nous sommes dans ce groupe-là. Je connais nous, la MTM, qui travaille de concert avec le PMSD. D'ailleurs, dimanche, nous sommes présents avec un nouvel activiste dans le Congrès. Et il y a des autres encore, un petit groupuscule. Qui faire un petit passé politique qui peut prendre contact avec nous. Mais dans tous les cas, nous appartenir à une façon de penser qui nous peut exprimer. Duval peut donner ce 10 points dans son programme dimanche. Moi, je peux donner ce qui nous finit décidé dans nos bureaux assemblés délégués qui nous fait le 1er mai. Et puis, nous pouvons mettre tout ça ensemble. Nous ne pas dire qui c'est qui nous fait là, ce qui nous est proposé là, c'est le meilleur. Mais nous pouvons une cause libre parce qu'ils ont envie que la population fasse commentaire. Commentaire pas faire nous payer des cas négatifs. Mais nous avons envie quand même de dire à la population que si demain nous trouvons dans un gouvernement qui ou met sur pied, et nous dans ce gouvernement-là, mais voilà une proposition qu'il nous faut faire dans le projet gouvernemental, dans le projet de la nouvelle société mauricienne. Donc, première affaire, c'est l'élargissement et le raffermissement de la démocratie. Nous connaissons Maurice, démocratie est bafouée. Si nous quittons ce qui peut arriver à ce stade-là, pire encore. Nous tu pensais avant, hein, manière parfois, la presse même tu peux gagner maltraité, quand pas mérité. Il y a un point négatif dans la démocratie, ça. Mais ben, ça fait comme ça, fin d'exister dans le passé. Nous le trouvons. Mais nous tu peux penser que, bon, finalement, ça va nous faire là, mais jamais nous tu peux croire. Qui la démocratie pour bafouer, comment il peut bafouer, etc. Premier élément là-dedans, c'est que nous, Premier ministre même, nous besoin de nous, Premier ministre, parce qu'il y a une institution. Mais il est illégitime. Il n'est pas légitime, lui. Le MTM fut le premier parti à dire ça, et puis les autres, ils le prennent, ils le répètent, lui, et il est tellement vrai. Et il est encore peut continuer. Donc l'île Maurice peut être dirigée par un Premier ministre qui n'a pas fait gagner l'approbation de la population pour être le Premier ministre du pays. Il est élu comme un député, mais pour venir Premier ministre, et non, c'est un des autres critères qui est obligé qualifier où et qui n'a pas fini d'exister. Donc, nous avons une difficulté. Et ça peut faire du mal à l'île Maurice sur le plan international. Et laisse-moi finir de dire en passant que l'EN peut faire une jolie action pour l'instant, en ce moment. Et c'est grâce à
ben moyen qu'il l'aime fin mettre dans disposition Maurice, par milliards, qui peut récifier un peu développement, et le lequel le gouvernement peut venir peut taper l'histoire. Mais nous tout, il est clair ça, hein? Mais si l'aime pas, tu donnes sa casse là. Ça ne dit pas que tu pourrais avoir un développement. Métro Express, tout ça, pas tu pour causer même. Incapable de causer et faire ce projet, parce que l'un, il dit, allez, on peut donner autant. Il finit de donner aussi en partie, presque 50% de ce qu'il promet. Mais, qui fait l'un amène sa coup de main là? Je ne vais pas prendre un détail parce qu'il y a une partie, je vous explique juste avant. C'est parce que l'un fin réussit à faire nous comprendre et fin faire nous céder, pas seulement comprendre, mais céder dans le dialogue qui tient en ce qui concerne le traité de non-double imposition avec l'un. Logiquement, ben dis-moi bien pensant qui est dans le gabarit, comme on peut dire, dans la politique. Si tu es à la place de ben dirigeant actuel, tu bises la guerre pour maintenir ce traité-là pendant encore quelques années. Je ne peux pas dire éternel. Parce qu'il nous connaît, moi je suis ministre des Finances en 1996-2000, moi je négocier moi aussi, nous avons réussi à maintenir. Mais je connais qui situation a été. Mais nous devons faire le maximum pour qui, parce que nous sommes dans une phase transitionnelle, nous faisons perdre les bénéfices qui nous tiennent avec l'Europe, etc., un protocole sucre, et pas de tant qu'on finit, régler jusqu'à l'aile, encore un petit bout de la qui est resté. Mais au moins, pas venir mettre l'épée de Damoclès dans la tête quand nous déjà dans une situation qui n'est pas encore terminée. Donc, tu viens négocier avec l'aile pour maintenir ça pendant quelques années encore. Mais ce gouvernement-là, malheureusement, il cédé. Et par façon, il gère ce dossier-là, gouvernement fautif. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous connaissez Mauricien, vous oubliez souvent. Même ma journaliste, moi aussi, l'État m'a dit, je vous rappelle. Moi, je suis joindre l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur Moudgal. Je suis joindre, moi, avant de quitter Mauricien, 3-4 semaines avant. L'État, ce dossier-là, tu peux négocier. Et je passe vite tôt, là, mais quand je cause en l'inaccepté, avec moi, qui Maurice perdant. Et pire, c'est qu'il y vient, dis moi, qui, vous connaissez, vous trouvez ça danger là, mon final get ou premier ministre, ça veut dire ce Aniro Diagnant de l'époque, pour dire lui, qui attend ce qu'il est capable de pas faire encore. Et le final, faire ces efforts là. Et ces efforts, finalement, beaucoup dans le sens de la dernière changement, dernière erreur qui finit de mettre là. C'est que même l'ambassade de l'Inde, il passe pratiquement, tu es capable de passer en mal avec ce pays. Parce qu'il supposait défendre l'Inde. Pas défendre Maurice. Mais il défend Maurice le N principe faux. Et qu'il dit à moi, il dit à Premier ministre l'Inde. Qui, vous connaissez qui fait moi, peut faire ça parce qu'à la mot, si tout, c'est qu'il vous finit dire dans l'île Maurice quand tu fais une visite, qu'il ne pas pour laisser Maurice tomber jamais. Et quand même, quoi qu'il arrive, Maurice, bien encore sur la tête haute de ses affaires. Mais là, ce qu'il a décidé, il est trop brutal, il peut faire du mal. Et où tu dis, ou pas pour faire du mal. Mais la cause, ça qui m'a payé, cause à haut, parce que, ou parole dans l'île Maurice, il dit, il a sauf Valère. Les là qui Premier ministre m'a dit, il dit, revoir. Il dit souvent aux techniciens, non, il dit, écoute, ça l'ambassadeur là, revoir certaines choses là. Et il revoit. Et après, nous gagnons sa chose finale là, qui n'est pas extraordinaire, mais quand même qui est meilleure que ce qui était avant. Mais je me raconte ça, si vous dites stop, ça fait qu'il est passé dans la réalité, ça. Et je me dis, oh, et faux, moi. Et moi, il y a une chose qui nous filme, nous garder, nous clip, quand on être reçu. Bon, pas pourtant, on sait qu'il peut arriver en temps, mais pendant 1h45, dans son bureau à la maison, c'est pas quelque, n'importe ça. Mais pour dire que dans l'aspect-là, il y a quelque chose qui... nous ne faisons rien. Et l'un, il connaît que Maurice peut souffrir. Il bien connaît. Lui. C'est moi, il finit de ça, le boulet, tu as envie de régler ça. Il finit de régler. Lui. Au lieu de régler ça 7-8 ans après, il finit. Et ça, il finit accepté par Maurice. Que voulez-vous faire? Si tu continues à aller à expliquer, c'est gagné. Qu'il fallait, tu es capable de revoir quelques petites choses. Mais non, il cède, il finit arrêter l'eau là. Il dit, mais continuez l'eau là même, seulement. Nous, ben frères, ça.
Nous tellement proches avec Maurice. Nous parlons de nos problèmes. La cause, ça qu'il a une tombe d'accord pour de nous, un l'aide. Mais ça l'aide là, ça me dit, un journaliste est chevronné, dans, surtout dans le domaine économique. Al Gitengo, combien Maurice perdit chaque année? Là, il peut perdre un peu moins là. L'étant 2 ans là, fini, mais l'année prochaine, il peut perdre beaucoup plus. Et il peut perdre pour l'éternité. Tandis que ça coûte m'équiper de nous là, 12 000, 10 milliards, 11 milliards. Les one-off, ça. Il finit de nous, la cause, il tire des TA, il tombe d'accord, il peut prendre ça. Avec ça, on peut faire développement. Mais pas sa qualité de développement là qui peut faire bonheur à l'île Maurice. L'Ibizin est un développement qui l'a lui-même continué, développe et permet que les autres développements suivent. Automatique. C'est une autre façon de penser en politique, surtout dans l'économie, ça. Hein, vous avez réglé les problèmes small and medium enterprises, ou l'usine qui paye, non, travail qui peut faire, vous avez comment pour faire un changement structurel dans le domaine économique, et vous avez une croissance qui est soutenue, ou vous avez devant, près devant, demain, dans quel domaine qui est capable d'un développement, dans la biologie marine, ce qui est arrivé dans nos systèmes de la mer, ça peut développer assez. Et l'un des petites choses, si besoin de finir faire, pas encore faire. Bon, le gouvernement quand changé, il nous a fait arriver. Et dans les affaires, si vous avez fini arriver, mais le gouvernement nous a changé. L'autre gouvernement, quand il n'y a pas qu'à blâmer, je ne peux pas comprendre. Je viens prendre l'idée, puis pas derrière. Les temps de venir, les temps de commencer, les temps passés. Donc, ça va un développement qui peut faire là. Vous me dire oui, développement, mais seulement pas de développement qui détermine comment pour décider pour lui voter les temps les prochaines élections. Il peut dire au fil, mettez-moi dans le bateau une fois, c'est où qui est responsable, quand même, qui vous pouvez me dire moi, je parle de l'autre, mais pas où. Continuons un petit peu l'autre chose. Point qui nous fait débattre et qui nous peut proposer, c'est l'élargissement de la démocratie. Meilleure façon que la démocratie existe, c'est au niveau du Parlement. Donc nous pensons que le Parlement est reconstitué d'une autre façon. Nous sommes d'accord que la loi électorale est être revue. Nous sommes d'accord que quand une élection donne un résultat, sa pourcentage qui est une partie gagnée là, les bisins reflètent dans le nombre de députés, plus ou moins. Mais je finis avec un petit corollaire ici, parce que Rodrigue ne passe pas, c'est un problème. Et nous parlons, c'est un problème, comment Rodrigue l'a dit. Il y a un système qui fonctionne, mais seulement il y a un problème. Le problème, c'est quoi? L'état où on prend dans un système proportionnel, hein? L'état où on prend données des élections, l'état où on fait la correction, mais ça coûte là pratiquement pas une différence dans les deux groupes, majorité et opposition. Et ça aussi, n'est pas bon, ça. C'est qui nous dit que si on fait une élection et que la cause du système qui nous est non, l'opposition a un certain pourcentage qui définit gagner dans le vote, disons 40%, mais l'étant en député, ou tout le monde gagne 10%. Mais nous dit qu'il y a une grosse injustice, bien corrigée. Mais nous avons un système proportionnel qui aide à corriger ça. Mais seulement nous dire, faudrait pas quand même assister à faire presque 50-50. Parce qu'une partie gagne majorité quand même, l'autre partie gagne l'opposition. La différence n'est pas faible. Mais il ne faudrait pas assister à l'état où corrige-le, ou amener dans une telle situation, qui sa nombre de députés, différence nombre de députés, est tellement faible qu'il est de nous une difficulté pour gérer. Donc, dans les discussions que nous faisons, nous disons qu'il ou bien corrige les up to a certain percentage. Ça veut dire, ça pour bien d'accord, le qui pourcentage pour arrêter, nous pas décider nous. Mais nous pensons qu'il faut faire un débat autour de la table. Le principe est que, quand on fait sa correction proportionnelle là, parce qu'il nous peut dire une dose de proportionnel, nous. Mais quand on fait sa correction de proportionnel là, faudrait pas qu'il, comment dire, ou comble les net complètement et qu'il trouve dans une autre difficulté politique
que gouverner devient difficile. Parce qu'il y a une partie qui a gagné, même s'il y a une partie majorité, il y a besoin quand même jusqu'à la fin de ce mandat, dans la mesure que le pays n'a défection, c'est un autre problème, hein. Dans la mesure que le pays n'a aucune défection, il continue à aller avec ce mandat, il y a besoin d'une majorité qui donne une certaine confortabilité pour être capable de rouler le pays. Voilà, nous, ça pas entendu du tout ce qu'il m'a dit là. Hein. C'est qu'on entendait, on a dit, on vient, il y a besoin de corriger, il y a besoin de 40%, on a besoin de 40% de députés. Alors, faire ou de nous, bah, ajoute de députés jusqu'à l'ivin 40%. Nous ne pouvons pas dire ça, nous. Nous pouvons dire quand même, ou corrige-les jusqu'à un certain pourcentage, mais ou pas dépasse sa pourcentage, si la différence est trop faible et qui peut empêcher un pays géré. Bon, alors, ça, un point fondamental qui nous fait nous dire, et puis, il y a aussi maintenant le rôle du président. Bon, pour le moment, nous pas pour un changement, nous. C'est-à-dire, demain, nous gagnons l'élection, nous pas pour un changement dans demain, pour, comment dire, président. Mais c'est moi qui pouvais venir dans le programme 5 ans, là. Le président, il vote de manière qu'il est élu. Nous pensons qu'il est trop restreint. Élu juste par député, pour une simple majorité. Alors, là, on fait campagne, on mentionne un nom, pour gagner vote, ça peut être. On mentionne un nom, pas une guette du monde là, pas fin faire l'étude détaillée, parce que vous pouvez nommer un président de la République. Mais puis, il y a du monde qui a étudié bien, ou qui a des difficultés devant, un paquet d'affaires, oui, pour guetter. Non, on finit à aller vite, on finit proposer la population, à ces élections, on finit, ben, vous prenez, on propose ce nom, et dans le Parlement, on finit voter. Mais il est tellement facile. Nous pensons qu'il faut bien revoir ce système-là. Donc, à l'heure que nous avons causé, nous pensons qu'il y a un collège électoral le plus important, plus nécessaire, qui est un simple vote au Parlement. Alors, le collège électoral, c'est-à-dire tout bandit monde, individu, personnalité, qui finit être élu par le suffrage universel, je forme partie dans ça, collège électoral. Si vous allez, vous trouvez tout bonne village councilleuse, vous rentrez dans district councilleuse, municipalité councilleuse, bonne les maires, tout ça, et puis bonne députée aussi, tout pour ce qui est voté par la population. Je tenais une responsabilité démocratique. Alors, nous pensons que votre là besoin être pris par sa collège-là. Peut-être les là, nous pouvons gagner un président qui nous pas gagner problème aux autres après. Pas qu'on va dire 100%, mais disons, le risque est beaucoup moindre. Donc voilà ce qu'il nous est proposé dans l'avenir assez proche, mais seulement il y a beaucoup de débats qui m'ont pour faire élection président. Mais, nous connaissons l'ancien gouvernement, tu fais proposer une affaire qui a les pépines météo, d'accord. Mais tout ça, une proposition là, nous allons reprendre après d'un tabron, mais nous pensons une première petite chose qui nous allons faire dans l'immédiat, de faire une avancée quand même, c'est ce qu'ils vont dire. Et maintenant, le vice-président, le MTM, dit bien, scrap sa pousse là. Puis non, aucune nécessité un vice-président dans l'île Maurice. Et on connaît combien de dépenses il fait à nous. Nous avons un collègue dans l'opposition à Ster qui fait une demande pour diminuer le nombre de ministres, etc. Et il est vrai, il fait l'économie, ça, si vous réussissez à faire lui. Mais il prend poste de président même. Vous connaissez le président, vice-président, il y a qui avise de garder tous les bénéfices. Et là, qui puisse président, jusqu'en président par là, l'y remplacer. Mais longtemps, tu peux remplacer, par, dans certains pays, dit comme ça, se remplacer par chef juge. Parce qu'il est remplacé de quelques jours. Mais nous trouvons sa situation très correcte. Nous pas trouvé qu'il fait besoin d'un vice-président avec tout ce qui est attaché avec lui. Mon parent n'a pas dit, non, rien contre le vice-président. Hein. Ce qui est là, il reste là tant qu'il est ça. Mais nous dire, quand nous venons d'un gouvernement, là, nous pensons, nous proposons le scrapping of sa poste de vice-président. Et aussi nous dire, député, ministre, pas seulement député, ministre, pas seulement secrétaire parlementaire, privé, PPS, mais aussi tout ban qui est élu par voie démocratique, donc dans ma municipalité, dans ma local government, et aussi tout ban du monde qui occupe ban boards, côté dans ban tentation beaucoup, qui du monde parfois céder, rentre dans piège, je tout. Y compris ban advisors,
tout bizan rentre dans ce qu'on appelle la déclaration of assets act. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life? Bien pour autant, ça a un projet de société, ça. Hein? Ça, il faut, parce que dans ce qu'ils me disent, ils n'ont pas envie de paraître comme un programme du gouvernement. Mais parmi ces points qui m'ont pu soulever là, il y a un fondamental là-dedans. Ça, il y a un fondamental. Et moi, il y a un parmi ces gens qui, une fois, qui irrite un paquet de gens là-haut, un grand de gens, hein? Et il est en mode de dire qu'il y a un député quand il est venu, même comme un député, mais encore plus quand il a une responsabilité comme un ministre, etc. Livine pour donner l'exemple. Si vous ne pas mettre ça dans le système, ben vous ne pas rentrer. Dans nos partis, vous ne pas rentrer. Nous restons minoritaires, pas fait non, il est là. Mais nous connaissons que quand la population comprend ça, c'est nous-mêmes qui nous pouvons faire une majorité. Parce que c'est ça ce vœu. Le vœu de la population et le vœu d'un bon système, c'est que quand on vient dans la politique, on vient pour donner l'exemple. Quand on vit dans la politique, on a la paye ministre. Et on a dit, on a gagné beaucoup plus que la paye ministre. Mais on a des façons de dire, mais tu peux gagner 5 fois plus, et non, rien. C'est quand on vit dans la politique, on vit député, on vit ministère. Et on a gagné sur la fin du mois, on a trouvé 4-5 fois moins ce que tu peux gagner avant. Mais on a des façons de réagir. On a dit, mais tu as trouvé un système pour mal compenser ça. Mais là, il y a un problème là. D'accord? Ou bien, pas faire ça. Ou bien fini calculer ça avant. Ou bien fini connaître que vous pouvez gagner autant qu'à tous les mois. Et si vous venez au maximum, vous pouvez venir ministre.
ou premier ministre, d'accord? Mais vous voyez, autant vous gagnez comme ministre, premier ministre. Li pour moi, ce qui c'est que vous pouvez gagner, mais passez à le combler, ça manque à gagner là. Sinon, ou pas un politicien chevronné, correct, noble. Donc nous disons, vous avez fini que ça avant. Par contre, il y a une autre façon, et dans Dibon, il gagne c'est pas un salaire de 10 000, 15 000, et il y a une députée ministre. Un coup, il gagne 250 000 à ce terre. Mais nous disons, fais attention sur la tête, quand il vient de virer, il n'y a pas d'habitude. Un coup, il gagne sa belle somme là. Il commence à gagner le goût de l'argent, malgré, alors qu'il est bien payé dans l'île, parce qu'il gagne bien tigit, et il gagne pas une bonne façon, une arrivée d'argent dans ce revenu qui est hors de l'ordinaire. Pas de expect. Mais c'est mort, pas les sous l'esprit gâté. Le goût de l'argent, bien n'a pas fini avec vous. Parce que demain, on n'aura pas ministre pour répéter l'île, ou pour battre tout ce qui était avant. Donc, nous dire tout ça, ben, nous prend comme argument pour nous faire formation, ben, jeune qui peut monter, et qui nous disent que quand on rentre dans la politique, ou bien qu'on accepte tout ça, c'est appelle ça des sacrifices. Tu vois, on va marquer là les valeurs, hein, vivre et, valeur pour, et vivre et agir pour les valeurs en politique. Avant nous, tu n'as pas né comme un curé en til Rosemont qui typait. Prône sa qualité de développement. Donc, les biens assets, bien pour autant, parce qu'il est là où donne confiance la population, et où ils instiquent tout ça. Et assets, qui nous dit à nous, tant bien là, parce que vous faites déclaration d'assets, carrément, mais il existe ça donc. Vous pouvez déclarer vos assets quand vous venez. Oui, mais manière une fille, elle dit là, il n'y a pas de décourage du monde, il n'y a pas. Il pas transparent pour la population. Quand on déclare assets, on besoin de déclarer comment on gagne une fonction, quelle que soit la fonction. Si on vient député, on déclare assets. Assets, si on vient ministre, on déclare assets encore. Parce qu'il y a une autre fonction. Mais pas de déclarer assets uniquement quand on accède à la fonction, ce qu'ils nous disent dans nos projets de société. On besoin de déclarer encore un coup quand on quitte la fonction. Et ça paye dans nos systèmes. Alors, on va vous répéter mon pensée, il est assez simple. Vous pouvez déclarer quand vous rentrez, mais surtout déclarer quand vous sortez. Les là qui la population gagne sa transparence là. Les gagnent quand vous sortez, les gagnent quand vous rentrez. Mais là, les gagnent, mais qui vous finit à accumuler dans ou ses jours pendant qu'on occupe sa fonction là. Et c'est là que le problème l'a posé. Là, à ce stade-là, moi, je pas content d'être brutal dans mon causé, mais moi, je me dis, je prêt pour challenge ce gouvernement là, qui lui fait tout ce bandimoun. Advisors, tout compris, comment on peut dire, Azodi déclare de ta 7-5 et rendit public. À ce terre-là. L'autre 10 ans, là même. Rendit un service. Nous guettons confiance à la population. Mais besoin de dire en passant qu'il est en écoute du monde causé, il paraît de sa gouvernement un des plus corrompus qu'il est de Maurice Ngaï. Pas fini dans autant. Toute petite chose passe par corruption. Mais nous jouons du monde, nous. Des gens disent, eh oui, ah ben tu ne finis pas les choses là pour faire tout le développement, mais tout est correct. Oui, donc, mais bien, vous connaissez, pas dire moi les restes, on finit comprendre moi. Et nous, tu demandes, vous connaissez, les temps nous donnent quelque chose. Ben, des gens disent, mais qu'il faut pas aller dire ça à la police. Si vous dites ça, Jagnat, là, tu Jagnat, à Pravin. Il dit, bien, la police a fait une déclaration, on fait une enquête. Comprends? Puis quand on parle de la police, on a besoin d'un peu d'argument, un peu de preuve. Ou pas qu'il dit, hein, moi j'entends ça, mais ça trop beaucoup facile, ça, moi je connais ça. D'accord? La cause ça, mais pas, bien, pas qu'il y ait un voyou, il peut saper là. Parce qu'il n'y a pas de la police, personne ne peut aller, pas le dire. Il peut jouer sur ses affaires, mais il souffre, il a une casse, bribe. Mais moi je dis, une fois, je peux répéter dans le système et non. Dans le bureau premier ministre, il y a une cellule spéciale, et mon inspire moi un peu avec une proposition qui est. Candidat aux, pas le président actuel, mais candidat aux élections à la présidence française, Indire, qui nous disait un, comment on appelle ça, Richement? Un coordinateur national. Moi, je connais l'Indiali dans le même contexte que moi, mais il propose une cellule avec un coordinateur national
dans un bureau central. Moi, je me propose pour Maurice le bureau du Premier ministre. Un jour, dans une affaire, mais avec lui, vous avez écouté un autre point qu'il m'a mentionné, moi, bien vite là, protection of whistleblowers. Ça dit qu'il pouvait dire à cause là. Il y a un whistleblower, lui. Mais si les pays n'ont pas protection, les pires, qui m'ont dit ça après qu'il m'a massacré pas arriver au moins. Mais il n'a pas venir. Mais soit disant, tu prenais la loi contre whistleblowers, mais nous pas tant qu'il puisse arriver. Il n'y a pas que whistleblowers qui venir là. Mon petit azote, mon petit azote, avec beaucoup de conviction et de force, est en cause de corruption là. Et je bisais quand même comprend que ça whistleblower là, les bisais une forme de protection légale. Je ne dis pas après, lui-même a le trouvé dans la prison, ou bien behind the bars, ou bien la main attachée, ou perdit place, etc. Les bisais une certaine protection. Les là, ils peuvent venir de l'avant, ils peuvent dire. Mais bisais dans sa bureau là. Et sa bureau là, les là, du monde vient déposer. C'est moi pas n'importe qui Tom Dick and Harry, bien sûr, bien quand même énorme safeguard qui comment dire pas une divine qui n'est venu envie de dire telles affaires. Ça a mis un pays sur les pots cassés lui aussi. Mais quand une divine vient avec tout le sérieux, les venir vient dire ça et telles affaires il arrive comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais seulement moi pas qu'à aller plus loin que ça, à faire l'enquête. Et si on a fait l'enquête, nous pas dire une commission d'enquête dans l'affaire Alvaro. Mais si un jour on dit qu'on peut cause beaucoup là, comme ça, c'est facile pour dire ça. Mais ça va pour moi, c'est ça. Mais au moins, donne une enquête là, nous guetter, c'est pas moi, c'est là, moi pas accepté, moi. Donne une enquête, toi, Alvaro. On demande ça mille fois, il y a les autres, dans l'opposition, politiciens, ils disent qu'il y a besoin d'une enquête. On dit qu'il y a une enquête, le surgissement à l'île Maurice. Nous, il y a une information qui, Alvaro, avant, le président a le prêté serment comme président, il dit déjà un bon politicien mauricien, dans le pouvoir aujourd'hui. Il m'a dit une nouveauté là. Il dit déjà un bon politicien mauricien du pouvoir actuel. Avant, je ne sais pas pourquoi, en mai-juin, qui est président, il a le prêté serment en 2015. Mais avant ça, en janvier 2015, et que juin 2015, Alvaro, une jeune man politicien mauricien, mais qui ne tient en rien, non, il connaît qui tu viens faire, qui politicien jeune, et pour qui faire. Mais si vous donnez une commission d'enquête, dis-moi pour venir causer, ou pour le fouiller, ou pour trouver, ça n'est raison, nous demandons une commission d'enquête. Les là, on ne le connaît. Et non, dis-moi, Alvaro, il entretenait à l'étranger, selon moi. Hein? Selon moi, il entretenait à l'étranger, dans dis-moi. Vous voyez, on dit, ouais, venez jeune moi, mais tant venez, mais vous connaissez quand on a le déo, nous, on a pu dépenser. Hein? Et nous, quand on n'a pas dépensé, il y a des autres qui dépensent pour lui. D'accord? Mais là, on vous dit, vous tenez une fonction, Maurice, ou? Mais vous venez ici pour passer un peu de temps, là, mais vous venez de l'offrir, l'offrir. Ben non, moi, tout le monde l'offrir à Alvaro, on dit, hein? Et quand vous connaissez, moi, pas qu'à pour vous, moi. Mais moi, je dis, oui, dans telle place, je dis, vous n'allez, dans telle place, Alvaro, je dis, vous n'y restez voir, je. C'est où elle était? C'est pas quand tu viens là, c'est ce soulier, c'est pas le varou, une paysan. Dans le magasin là-bas, qui connaît? Vous avez dit? Mais il faut une commission d'enquête. C'est là que vous connaissez. Bon, je continue un petit peu. Et là, donc, déclaration à 7 pour finir les autres, avant fonction et ça. Et pour tous avant du monde qui m'ont dit là, y compris un advisor. Et nous dit advisor, pas vous appelez ce qui est 3 boards. Et là, du monde, il y a un seul board. Bon, à la rigueur. Mais c'est pourquoi nous ne faisons pas de démagogie. Vous avez remarqué, nous balancer dans ce qu'ils nous disent. Moi, je suis ministre moi-même, je trouvais que parfois, il y a même du monde, les business siègent dans des bouts, pour certaines raisons, capable de trois. Mais c'est moi, pas besoin de dépasser plus que trois. Et là, du monde, là, si vous donnez une NPC, je ne sais pas, dans 50 bouts, mais écoutez, pour gagner le temps pour les travailler là-dedans. Les poubes absents dans un pour les aller dans l'autre, et après des trois coups, réal dans un. Mais qu'est-ce qu'on dit tout ça traque là en plus? Et tout ça, l'eau à 7, toujours dans le cadre démocratie, on peut dire, pour donner discipline et pour donner l'exemple, ça à 7, je veux dire, hein, et pour donner confiance à la population. Maintenant, il y a aussi le fait de ne pas besoin de multiplier le mandat trop beaucoup, parce qu'on dit contre l'eau à 7, pour guetter qui veut le faire, ou vous avez venu faire votre travail correctement. Mais deux mandats pour nous, il y a assez. Pas besoin plus qu'il demande.
quel que soit le poste qu'il veut occuper, ou ministre, ou une faillite dans deux législatures, et puis, ok. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a capable une petite exception qui, après un peu de temps, ou capable bien besoin ou de rendez-vous, ni de revenir, mais c'est bon, pas plus qu'il demanda dans un poste de responsabilité important. Et pour finir avec sa propreté que type démocratique qui nous est non, et nous parlement balancé, etc., et non, une nomination qui fait pour une proche. Là aussi, nous ne pouvons pas faire démagogie. Nous dire que dans certains cas, les capables, nous trouvons dans une situation que pour résoudre un problème, nous avons nommé un dimoun, et que ce dimoun-là est très proche du pouvoir, mais seulement nous trouver c'est le meilleur que tu peux faire travailler. Comprends-moi bien. Je ne peux pas défendre le gouvernement, au contraire, je peux défendre le gouvernement. Mais je peux dire que dans certains cas, on est capable de trouver dans une situation que pour nommer un dimoun, ou bien nommer un dimoun, qui est proche, très proche du gouvernement, il est capable d'être dans le parti politique là tout avant, mais sans ses compétences prouvées, montrer où qui c'est la seule personne qui est capable de résoudre sa problème pour lequel il est nommé là. Mais dans ce cas-là, nous pas trouver qui faire, pas besoin de nommer, mais seulement nous dire, besoin d'un comité spécial, un comité spécial, qui dit oui, je suis d'accord, qui paye dans le dimoun. Apporte-lui. Parce que comment la population peut connaître ça? Alors, ou nous faire confiance à un comité, que nous mettons un dimoun sage et que dimoun expérimenté là-dedans, les prendre dossier, les guetter. De dire oui, nous guettons, nous avons fait un appel de candidature aussi, nous guettons, nous trouvons qu'il n'y a pas personne qui est dans ça. Sauf ça, dit Mouna. Mais dans ce cas-là, exception appelle ça. Mais il ne faudrait pas vivre la règle. Il ne faudrait pas qu'il comment dire, ne prend tout du monde proche du pouvoir. Ça même qu'il garde beaucoup, ça même qu'il fait du monde perdre confiance dans sa gouvernement. Et ce qui est pire, c'est qu'un paquet peut bizarre par fausse. Normalement, un paquet, l'étant réalisé, je te disais, bon, après un an, une finifère, mais dis à moi pour continuer parce que n'est pas bon ça. Dans la foulée, capable de dire, je ne cédais, je ne rentre ici, le temps tabac. Et notre dimoun, il fait une sous-généalogique, tout le monde trouvait dans la gazette. Hein, il prend une racine, il montre là et là. Celle-là, madame. Celle-là, maîtresse. Celle-là, enfant. Celle-là, Zan. Celle-là, Zan se sert. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez bien quand même être sérieux et arrête ça. Mais dans tous les cas, même si vous êtes arrêté aussi, le gouvernement n'est pas dit. Et puis dans nos projets de société, il y a une fonction, pas pour rentrer beaucoup là-dedans, parce que nous vous en révisons des détails, mais déjà que ça ajoute, c'est un nouveau modèle d'aide sociale et familiale. Et nous pensons que c'est la lutte contre la misère, c'est là qu'il nous peut y aller. Les bons, on peut faire une campagne, on peut aider ben, du monde pour tirer le débit dans la misère. Nous sommes d'accord avec tout. Mais seulement, il y a les autres misères pour venir. On peut régler les problèmes qu'ils ont dit, ou trouve ça, ça groupe là dans la misère. Mais demain, un autre groupe peut venir jeune, le groupe de la misère. Les là, pour aller même comme ça, ce n'est pas ça qui nous l'est. Nous les exterminons la misère dans l'île Maurice. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui vivent en dessous d'un seuil qui est inacceptable. Et les bizarres, d'une façon permanente, Benoît Ride l'a pas là demain, sa gouvernement l'a pas là demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ce système-là bizarre continue à fonctionner pour empêcher le groupe de la misère d'augmenter. Et non, c'est une possibilité, ça. Ce qu'il nous propose là. C'est qui nous dire. Ou bien, et dans sa l'aide sociale et familiale adaptée, plus ou moins personnalisée, on peut dire, que tu étudies la famille en difficulté, pas le guetter pour pas dire une misère, mais pour ça guetter. Et ça, il régler le problème de la. Le gros problème dans l'île Maurice, on dit, plus que la misère, c'est la difficulté qui est la classe moyenne. Nous sommes même dans le problème là. Nous sommes dans la classe moyenne, un peu haut, un peu bas, un peu au milieu. Mais le problème à Maurice, c'est que la classe moyenne peut disparaître petit à petit. Il peut venir dans la classe en bas. Après, ils sont misère riche. Parce qu'ils sont classe moyenne, alors ils sont riches, mais ils sont en fait de misère. Je ne sais pas, je vais faire un debout.
une famille qui gagne 25 000 roupies, qui est dans des trois enfants, pour faire cette éducation, permettre à jusqu'à l'université, ce qui nous dit bien faire, n'est pas possible. Alors, il y a une aide que le gouvernement fait, je veux dire, moi-même, je suis dans le gouvernement, plusieurs fois, ministre des Finances, mon des affaires, aide, ben, ce que vous gagnez pour vos enfants, payer vos filles, signaux, moi qui suis médecin, je crois, connais, filles, signaux, etc. Et concevoir par moi, mise en place par moi, et implémenter par moi. À ce stade, les autres peuvent continuer. Mais, je connais ça plus bien qu'il n'importe qui ça n'a. Il est bon ça, mais c'est moi. Qu'on n'est pas extermine la misère là. C'est-à-dire dans un moment transitionnel où nous passons par ça. Mais nous nous proposons un système Maurice assez mûr pour gagner ça. C'est-à-dire où étudier les revenus de la famille, tout ce qu'il y gagnait, capable d'avoir 10 personnes dans une case, capable d'avoir 3 personnes, un personne capable d'avoir 45 ans, ce bonhomme est dans 53 ans, et un enfant est dans 19 ans, et il peut travailler. Donc, il y a trois dix, vous ne pouvez amener revenir là-dedans. Mais vous n'avez pas des trois petits enfants encore là-dedans. Mais où étudiez comment il était? Dans notre famille, vous avez des enfants handicapés. Ça handicap là, pose un problème, vous dites. Mais qui manière il peut faire cette dépense? Et qui il peut récifier et qui il ne peut pas récifier? Ce qui ne peut pas récifier, le gouvernement, l'État, vous avez mettre à sa disposition. Ça, c'est le principe. En fonction des besoins. À la moins en face, mais pour chaque famille qui était, vous connaissez ça. Et dans un pays comme la France, il existait ce système, là, non? Oui. Il existait. Comment je veux dire en France. D'accord? Mais il existait en France, et dans 50 millions d'immunes en France. Mais pourtant, je peux régler. Il n'y a pas posé un problème administratif, non, ni ça. Hein? Finlande, la Suède, tout ça. Existe. Tout de suite, il passait par système, comme peut-être, ou remplir ou fiches, ou faire ou déclaration. Nous, qui était qui vient nous faire. Et on résout ce problème. Et ce problème-là, il est en fonction des revenus familiaux. Si, disons, une famille-là, après 5 ans, il trouve dans une situation quand ce revenu multiplié par 5. Ça ne peut pas arriver, ça. Les enfants, ils commencent à travailler, Bolomi gagne une belle promotion, Dimounen gagne l'auto, 25 millions de roupies. Mais tout ça prend en compte, ça. Et après quelques années, les cas de ça, on est doux bien, mais là, on trouve qu'on est capable d'aller au propre zèle. Dès là, on arrête de gagner. Ou bien, pour nous, la moitié, qui c'est qui va. En fonction des cas. Mais dans une situation, comme on peut expliquer, la misère n'a pas existé. Tout le monde gagne ce petit bout. Ça n'a pas gagné un problème pour logement. L'État pour venir de lui. À ce sujet, il n'a pas gagné beaucoup, il n'a pas gagné un petit guide, il n'a pas gagné rien. Mais il est en fonction, on demande ça. L'année après l'année, revoit ça. Donc, ce qui ça nous appelle un nouveau projet d'aide sociale qui nous pourra expliquer un peu du vent plus loin encore. Et puis, bon, on passe un petit peu loin des autres affaires parce qu'il nous fait une publication pour gagner un peu plus de détails. Mais le côté de l'éducation, dans nos projets société, l'éducation est obligatoire de 3 à 18 ans. Obligatoire. Et il est vraiment gratuit. L'éducation n'est pas gratuite vraiment à l'île Maurice. Alguette toute famille ou bouquetée, combien de familles dépensées et combien de dépensées pour l'éducation. Tout du monde au de la guerre pour les leçons, besoin de NEM, bouquetée. Pas si seulement les leçons, pour la cité, le matériel. Hein. Malgré ce que le gouvernement donnait pour certains, mais il y a surtout la classe moyenne, difficile pour être capable de faire le bout de jeune. Et nous dire que le transport, bizarre, reste gratuit pour les étudiants, mais seulement. Nous pour appliquer ben dedicated buses, c'est-à-dire ben bus qui est réservé pour l'école. Nous pas prendre ben bus qui est dans la ligne XYZ qui travaille par ailleurs et qui vient faire ben course pour l'école à certaines heures. Nous pas pour ça nous. Nous disons où l'école besoin est dans ce bus et gouvernement besoin aide ben l'école pour gagner ce ben moyen de transport. Et ce moyen de transport-là, il est mis à la disposition des écoliers de l'école et pendant les heures de classe et pendant qu'ils ont besoin. Mais l'école est capable de servir bus-là pour ben les autres activités, comme un outing, par exemple. Vous connaissez, on a des enfants à l'outing. Ben, les parents ne sont pas payés, les autres. Pas dire, les autres, autant pour bien payer bus-là pour l'outing, pour visiter les mounes, etc. Mais ça, on peut payer,
Mais l'école là servit ce bus là même, donc il prend un revenu aussi pour les gagner. Dans samedi, dimanche, l'école reste fermée. Mais ben, troisièmement, je t'ai le voyage et je te visite, pas qu'ils affaires je. Mais l'école, l'école là capable de mettre ce bus à la disposition de ben les autres et gagne un revenu. Donc, il n'y a pas un problème. Économiquement parlant, il n'y a pas une catastrophe, c'est ce que je peux vous le dire. Et dans ce moyen, vous avez aide d'école pour les gagner ce bus, en fonction du nombre qu'il est besoin. L'école connaît comment les enfants sont dans quelle direction. Et moi, mon besoin, moi, il y a 1000 enfants. Mon besoin, ce n'est pas 20 bus. Et un dans telle direction, l'autre dans le nord, sud, est, ouest. Et moi, pour organiser mon transport, pas moi-même. D'accord? Mais c'est moi, mon gagne droit service à BISTA pour faire les autres fonctions, pour voir que les priorités restent pour les enfants de l'école. Et assez, ça va nous faire que autour aux enfants, puis à le vang là, parce qu'il vous sortit dans l'école, il peut aller direct lui. Le nine-year schooling, mon cas déjà dire, il fail. Parce que ce n'est pas le nine-year schooling qui fait mettre en pratique. Finalement, un paquet pour Révin Lola encore bientôt, moi aussi. Mais pour une raison que je te connais, un examen compétitif qu'il mettait, CPE pas fin tiré parce qu'il ne remplaçait pas un autre examen compétitif. Donc, nous dire pour un vrai nine-year schooling. Alors, en un mot, je résume le vrai nine-year schooling qui n'a pas existé dans le système actuel. Quand les enfants rentrent dans grade 1, tous les enfants rentrent dans l'école, ils rentrent dans grade 1, non? Les tests sont aussi pré-primaires, pas rentrent dans grade 1. Nous dire, from grade 1, les bisous continuent up to grade 9. Pas nous faire 9 years là? Ça m'appelle 9 years. Sa schooling de 9 years là, doit se faire dans le même cohort. Mêmes enfants continuent. Les comme ça jusqu'à 6e aujourd'hui. Quand on rentre dans FES, on parle jusqu'à 6e, camarades là paraissent pareil, mais il n'y a pas besoin de casser là. Et alors que l'enfant est en pleine rentrée dans la puberté là, je ne pas rentrer dans le détail, je suis assez intelligent pour comprendre qu'il n'aime pas nous faire arriver là. C'est 3 ans là. 3 ans très important, capital dans la vie des enfants. Ou pas casse ça. Laisse-y continuer, c'est seulement pas ça qu'il ne fait. Il met un PSAC, il dit où Astère, dès depuis dans l'école Baranchobe, poil Rosebel, Baranchobe dans pleine manière, poil Rosebel, 3-4 poil dans de la côte là, D3 poil dans Nouvelle-France MGI, mais il finit cassé groupe là. Mais il dit comme ça même aujourd'hui. Seulement, dans place de Fané en Thiers-Maurice, pour Fanzot, juste dans une région. Ça veut dire de Baie du Cap jusqu'à Forest Side. Mais il est long ça aussi. Sorti Baie du Cap pour le FNI. Il est dans la même zone. C'est nous avons Baie du Cap car il est besoin de FNI l'école. Parce que sur l'examen PSAC là, avec ce résultat, il nous donne ça. Mais ce n'est pas ça. Nous dire, il est besoin de raison. Mais moi, tu fais un programme, là, mon programme qui tient, là, moi, tu finis d'expliquer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que moi, je dis, il est tout à fait faisable, et il est faisable tout de suite. Parce que dans ce qui nous t'y fait, nous t'y trouvons qu'il y a une seule école pour bien construire dans l'île Maurice. Et ça, l'école, un seul, pour permettre ça, ce que je peux dire là, que le côte monte ensemble. Mais je peux sortir, je peux aller dans notre école secondaire même là, pour faire 3 ans là-bas. Mais un seul école secondaire en plus, tu peux bien. Et ça, l'école secondaire là, tu as une école primaire qui est bien fermée. Mais il résout nos problèmes. Une école primaire qui, tous les enfants, qui ont des enfants laboureurs, l'État, VRS, ils ont donné, cité là, ils finissent en zéro depuis là. Pendant du monde qui restait. Si pendant du monde qui restait dans l'endroit là, mais l'école là, là, ils tiennent dans une raison d'être, quand tu as du monde, tu peux rester. Mais puisqu'il est pendant la raison d'être, mais on nous transforme dans l'école, parce que l'école secondaire, ben, les enfants capables de vivre un petit peu à distance. Mais nous tiennons déjà la solution pour tout. Ça veut dire qu'il est faisable tout de suite. S'entendre, disons tout de suite, veut dire « within 1 year ». Mais dans le schooling, il fait parce qu'il peut continuer pareil. Les sons qu'on connaît, ils augmentent plus encore à ce terme. Et puis nous disons, nous, Bandiboun qui a un handicap, je disais, il a la vie sociale et citoyenne active. Bon, le gouvernement dirait un peu la même chose. Hein. Tout le gouvernement vient dire la même chose. C'est maintenant nous dire qu'il besoin de faire, il besoin de mettre en pratique. Dans le projet MTM, il y en a aussi... En ce qui concerne le plan directeur pour l'avenir, nous avons travaillé pour qu'il nous capable de sortir l'île Maurice depuis, depuis les énergies carbonées pour opter pour 100% énergie renouvelable. Bon, on va rentrer dans le détail, ça nous a fait qu'il nous a fait, mais seulement nous avons mis une date.
nous nous proposons qu'il a 2050, l'île Maurice vis-à-vis 100% énergie renouvelable. L'agriculture aussi besoin bio, pas chimique. Nous, dans quelques années, nous besoin achieve 100% bio. Et là, l'eau en Rodin, beaucoup de choses, mais on passe l'eau en très rapidement. Mais très important, vous finissez l'eau là. Je vais laisser le deuxième thème que vous posez, l'eau la santé, pour une prochaine fois. Mais parce qu'il y en a trop important. Et pas qu'il parti à cause de projets, de programmes. Tant pour nous aussi, un petit peu. Et il y a une petite chose qui est bien importante. C'est qu'il nous pays. Nous devons arrêter de dire que Maurice est un petit pays. Maurice n'est pas un petit pays. Comment pour moi, Maurice est un petit pays? Alguer sur la superficie, venez moi sur un petit pays. C'est bon, nous avons tendance à dire ça, île. Mais tout ce qui entoure l'île, là, pas Maurice, même ça. Je crois, MBC, il a jusqu'à l'air, je crois. D'ailleurs, je suis content trop cause moi-même. Mais je commence ça dans l'école, je dis qu'il faisait mettre ça dans tout bas de l'école, sa superficie de l'île Maurice, là, y compris dans MBC, quand de nouvelles, ils retrouvent ça tous les jours. Et je trouve ça tous les jours, donc je suis happy. Ça veut dire que je te montrais l'île Maurice, je te montrais tout ban île de, qui appartenait à la République de Maurice, et puis je te montrais sa superficie de mer qui entoure là. Et nous tout connaissons qu'il est plus grand que la France. Nous tout connaissons qu'il est plus grand que l'Allemagne et la France ensemble. Mais comment on peut dire nous un petit pays? Mais si nous un grand pays, nous pas qu'on développe nos grands pays là, comment bizarre? Mais nous bizarre donner l'espoir à la population. Ou un grand pays comme ça, ou capable de n'importe. Un grand pays. Mais les bisec commencent à l'école, il faut des bonnes enfants qui rentrent dans l'école depuis jeune âge. Je connais qu'ils ont payé un grand pays. Bisec reste cause ça. Et là, tout le monde, quelle que soit la fonction qu'ils ont occupée, ou bisec dans même l'état d'esprit. Et au travail qu'ils ont fait, ou peut faire pour un pays qui est grand. Il y en a beaucoup de potentialité. Potentiel. Et qui nous a développé, pas encore développé beaucoup. Et là, c'est ça qui nous dit que nous avons un bel territoire. Mais cette surveillance qui pose problème. Et nous proposer pour la surveillance de notre territoire grand, bien faire appel avec un expert étranger, nous pas pour capable tout seul pendant de nombreuses années. Donc, n'a pas joué complexe d'infériorité. Dire que, ok, nous d'accord, on est comme ça, et nous surveillons nos territoires. Beaucoup, beaucoup de problèmes peuvent arriver, beaucoup de problèmes peuvent bloquer le développement, la cause surveillance du territoire mauricien. Moi, pour rentrer encore dans un détail, nous pouvons finir bien, bien loin. Et ce qui nous fait envie, c'est que les Mauriciens vivent dans la paix et dans le bonheur. Finalement, c'est ça qui nous fait voler. Il faudrait qu'ils nous réalisent, qu'ils ne nous pas tout seuls, nous dans l'autre autour de nous. Nous besoin tout le temps qu'on sait mettre nous en place le djimoun là. C'est très important ça. Donc quand nous mettons en place le djimoun là, on comprend ce problème un peu plus bien. Et voilà ce qui me peut proposer, c'est que dans quelle société nous besoin mauricienne, la nouvelle société, il faut que ce soit une société que nous sentions dans sécurité à tout moment, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Nous besoin capable de sentir nous en sécurité à tout moment et que l'environnement dans tout le sens du terme, l'environnement intérieur et extérieur est protégé, vraiment protégé. Ça, c'est la société qui nous fait rêver. Bizarrement, du monde qui travaille gagne un salaire. Bizarrement, tout du monde travaille qui bizarre. Et je bizarre gagne un salaire décent. Et je bizarre fait un travail décent. Decent work, decent wages, tout ça nous peut causer. Mais bizarre dans la réalité. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une discrimination du monde. Il y a trop beaucoup de discrimination à Maurice du monde. Trop beaucoup. Et il peut continuer à prendre l'ampleur. Donc, pas de discrimination. La cause, nous avons besoin de créer un corps. Ça aussi, je trouve ça dans mon projet de candidat à la présidence française. Besoin un corps de discernement ou bien revoir nous Equal Opportunities Commission qui ne donne pas de bons résultats. Malheureusement. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Ben, du monde, il y a gain de droit et juste chose. Il faut que les Mauriciens ressentent le bonheur à l'intérieur d'eux-mêmes. Et la cause, nous avons un projet important, pour finir l'eau, là, ça, Maurice, ce grand pays-là, qui, vous connaissez, une partie de nos populations, elle dans un pèlerinage spirituel et religieux. Et nous applaudissons ça. D'accord?
Parce qu'il donne à une façon de voir le monde différent. Et la cause ça nous dit qu'il nous peut encourager ben, les autres aussi. Et non faire pèlerinage dans l'Aisne qui n'a pas gagné aucune facilité supplémentaire. Et non faire pèlerinage à Rome qui n'a pas gagné aucune facilité supplémentaire. Mais je aussi, je besoin de facilité. PME, je t'ai guetté. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?